Les noms. Les noms. Pourquoi y appendrai? Ah bon, on va aller pour les informations. Le week-end dernier était consacré à la journée du consommateur. Ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Alimentation et de la Nourriture a décoré tous les fous qui se ravitaillent à la décharge d'Akwede comme étant les super consommateurs. Et ils ont été faits grands chevaliers dans les ordures du mérite ivoirien. Car le métier de fou est très difficile et certains fous auraient même décidé de faire autre chose car, disait-il, aujourd'hui, la folie ne nourrit pas son fou. Le nous. On continue les informations. Graine frayeur hier à Cocody Angré, à la 29e tranche. Une odeur de gaz a été détectée. Gaz. On a mobilisé les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers policiers, les sapeurs-pompiers gendarmes, même les sapeurs-pompiers vigiles étaient là. Plus de 2000 véhicules. Les nous. Ah, c'était grand. Embouteillage partout. Cinquième étage de l'immeuble. Les nous. Déception. On arrive là. C'est une femme baoulée qui est en train de cuisiner à Dieu vent. C'est au-delà qui montait comme ça. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour éviter de tels cas. Désormais, tous les baoulés résidant à Abidjan doivent vous présenter le menu précuit de leur repas chaque jour au commissariat le plus proche. Là, quand les policiers vont goûter, voilà. Ah, tu peux faire. Ça, oui, ça, on appelle ça manger pro forma. Selon une étude non étudiée, il ressort que vraiment les femmes sont solidaires. Ça voilà pas. Une femme qui a découché. Elle rentre le matin vers 9h. Son mari lui dit, tu es quitté où? Tu es quitté où? Elle dit, j'étais chez ma camarade Akissi. Son mari dit, ok, assieds-toi là, je vais appeler Akissi. J'ai mis sur haut parleur. Puis il prend le téléphone et l'appelle Akissi. Allô Akissi? Ouais, c'est Landry. Ta camarade a dormi chez toi? Solidarité des femmes. Akissi dit, elle a dormi chez moi. Hier, là, combien de temps venu? Tu pas dans un baptême là. Donc on n'est pas vu te rentrer là. Attends, elle a couché même. Attends, elle a couché. La nuit, solidarité des femmes. Très tôt ce matin, au Carrefour Saint-Jean, Cocody, il y a un blanc qui aborde sa voiture, il a grillé feu tricolore. Il est interpellé par un élément des forces républicaines de Côte d'Ivoire, en abrégé FSI. Le mot, garé ici là. Il faut garer ici. Tu n'as pas honte. On me fait griller, toi blanc encore, tu as griffé. Tu n'as pas honte. Le blanc dit, excusez-moi, monsieur, mais je suis daltonien. Daltonien. Le FSI. Tu dis quoi? Il dit, ben, je suis daltonien. Ah, je comprends. Donc, chez vous, en daltonien, il n'y a pas fait là-bas, ou bien. Terminons ces informations par un témoignage. C'est un vieux bété où il s'appelle Niaouré. Niaouré veut vendre son coq, le plus gros coq. Coq de son poulailler. Il fait à Talakou les éloges de son coq. Il dit, mon coq qui est là, c'est vrai coq. Ce coq là, c'est le vrai coq qui est là. Grâce à ce coq là, mes poules font plus de 50, chaque poule fait plus de 50 plaquettes d'œufs par jour. Et puis son ami qui veut l'acheter lui dit, mais ah, faut pas t'amuser avec moi. Si ça te rapporte assez d'argent, mais pourquoi tu veux vendre ce coq qui est bien comme ça? Il dit, oh, soit la gueule. Mon coq là, si il veut vendre ça, il regarde trop ma femme dans deux jours là, ça coûte ça, je vais le vendre. Eh, les noirs! Eh, les noirs! Eh, les noirs! Yo, yo, yo! Oh, les noirs! Yo, yo, yo!